Avec la Roumanie, c'est un autre style de jeu qui débarque à Bruxelles. Une équipe qui possède un bagage technique époustouflant et bien supérieur au nôtre. Première occasion pour Dumitrescu, très dangereux tout au long de la rencontre. De Grace au coup de coin pour les Belges. Albert de la tête et Grün tout près, très près du but. Attention, Dumitrescu est dans le coin et quand le tir part de son pied, il est toujours dangereux. Dans la première mi-temps, les Belges font jeu égal. Le ballon arrive chez Smits qui s'appuie sur Tchernia avant de récupérer cette balle pour tirer du pied droit. Son mauvais pied, Stelea, le futur gardien du Standard, est surpris. 1-0. Rudy Smits vient d'inscrire un but qui vaut de l'or. L'autre homme en vue dans l'équipe roumaine avec Dumitrescu, c'est Hagi, le capitaine, un joueur merveilleux, assurément l'homme du match ce soir-là. Les Roumains n'acceptent pas d'être menés à la marque, les Belges reculent de plus en plus devant Prodhomme commettant ce genre de faute. Le mur placé par Prodhomme résistera-t-il? Cette fois, Hagi choisit la diversion. Il préfère glisser à Monteanu, mieux placé dans l'axe. Prodhomme repousse l'envoi. Deuxième mi-temps, le rythme des Roumains est plus élevé encore. On se demande comment les Diables vont résister, comme Lakatu se demande comment il n'a pas marqué. C'est la plus nette occasion roumaine de la seconde mi-temps. Réaction timide sur un long dégagement. L'ouverture existait. De Grèze a simplement croqué son tir. Pour mieux résister, Van Imst fait sortir Tchernia et monter Wilmots. Première tâche pour Willy, le mur sur ce coup franc de Hagi sans incidence. Plus déroutant, beaucoup plus déroutant, le dribble qui suit. Hagi efface trois hommes avant de tirer juste au-dessus. La suite est plus confuse, mais toujours aussi stressante. On sent les Roumains fatigués. Et sur la contre-attaque, une nouvelle possibilité s'offre aux Belges. Boffin est parti, Stelea, lui, est bien sorti. À bout de souffle et à bout d'argument, Hagi essaiera même le pénalty. Bien joué, pourrait-on dire, mais c'était du chiquet. C'est Hagi lui-même qui va toucher le pied de Van der Elst avant de se jeter par terre. Un 0 et 6 plus 2 font 8. Maximum de réussite et maximum.